qu'aujourd'hui le jeu vidéo a quand même une, enfin avait surtout un aspect un peu négatif, une image un peu négative comme ça qui allait être, enfin qu'on voit souvent, hein, le côté violent, etc. Bon là on est sur une compétition CSGO, donc forcément il y a des armes, on peut se dire qu'il y a de la violence, etc. Mais ça montre aussi beaucoup de choses positives dans le jeu vidéo, comme par exemple le travail d'équipe. Là c'est des équipes qui communiquent, qui essayent d'avancer vers un objectif ensemble. Donc ça c'est quand même une belle image, quelque chose de sympathique. Selon moi c'est une bonne chose. Ça permet quand même de démocratiser le jeu vidéo. C'est comme tous les sujets, il y a du bon, il y a du mauvais. Mais là, avec l'essor que va prendre l'e-sport, le mauvais va pouvoir être atténué. Pour moi, l'e-sport, c'est quelque chose qui est très répandu, qui commence à se répandre. C'est quelque chose de très intéressant qui évolue beaucoup aussi maintenant. Donc ce serait quelque chose vraiment bien, je trouve. C'est une discipline justement très intéressante par rapport aux jeux vidéo qui est en train de se développer maintenant en Belgique. Donc ça c'est quelque chose de justement de bien. C'est plutôt quelque chose qui devrait être considéré comme un sport. En tout cas ça sa place dans le sport et enfin c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts mentaux. Je joue à CSGO. Moi je joue à CSGO, je joue à beaucoup d'FPS en général. Aussi à CSGO, FPS, tout ça, je t'aime bien aussi, ouais. Moi je viens surtout pour voir LDC qui est en train de jouer pour l'instant. G2 avec Kenyes, c'est un joueur que je supporte depuis que j'ai 12 ans. G2, enfin je suis beau depuis beaucoup moins longtemps, mais G2 serait mon équipe que j'aime vraiment. Je veux voir à l'œuvre tout ça, ouais. Moi franchement je suis pour l'e-sport et j'espère que ça continuera. On espère le meilleur.